Hey, salut à tous les amis, c'est Daniel, la Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien, j'allais m'écouter, ça extrêmement bien, ça super. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour une énorme ouverture de colis surprise. Donc mes amis, c'est un colis de Parquet, donc mon sponsor officiel qui m'a envoyé, bah écoutez, plein d'items Pokémon qui vont se retrouver sur la chaîne de colis juste extrêmement lourd. Il pèse entre 5 et 10 kilos mes amis. Je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, je vais pas vous le cacher, je ne sais pas, c'est pour ça que je dis surprise. Et donc du coup, oh la vache. Regardez-moi la taille de ce colis, ça a l'air d'être bien rempli. Donc c'est parti, si vous kiffez le centre de colis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et me le dire en commentaire. Dites-moi également en commentaire mes amis, l'item préféré de cette boîte et celui que vous voulez voir en premier que j'ouvre sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, également mes amis, je vous tease un petit peu qu'en fin de semaine va arriver enfin la vidéo qui va expliquer ce qui s'est passé pour moi cette année. Voilà, au niveau des problèmes, etc. Beaucoup l'ont demandé, ça arrive en fin de semaine, donc soyez bien présents vendredi, samedi, dimanche, je suis prêt à vous sortir les vidéos. Voilà, donc c'est parti, on va s'ouvrir cet énorme colis, let's go. Alors bien sûr, j'ai le petit couteau qui va avec, hein, évidemment. Alors, il y a un max de scotch, j'ai jamais, franchement, je crois que c'est le plus lourd que j'ai reçu de la part de Parkedge. Hop, vous avez vu, en plus en ce moment je fais plus d'ouverture de booster Pokémon sur ma chaîne et vous êtes vraiment réceptifs et ça me fait super plaisir vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Merci du fond du cœur, je lis également vos commentaires parce que j'ai du temps, donc du coup je les lis plus souvent et ça fait super plaisir. Donc merci à vous, n'hésitez pas à en laisser quelques-uns parce que je les lis vraiment beaucoup, j'ai plus de temps. Hop. Oh my god. Regardez-moi déjà la taille de ce truc. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est? What? Un coffret Team Skull, regardez-moi ça. Donc on a le symbole de la Team Skull, tout simplement. Et avec des cartes et des boosters, on a quoi? On a deux cartes ultra rares et 5 ou 6 boosters à l'intérieur. C'est vraiment abusé. Abusé, donc du coup il y en a deux. Il y a deux coffrets, donc un pour moi, un pour nous, évidemment, comme d'habitude. Donc dites-moi ce que vous voulez voir en vidéo, mes amis, c'est juste énorme. On a deux coffrets Team Skull. Waouh. Oh là là. Oh là là. Tout ce qu'il y a. Alors, on a... Ah, génial. Génialissime. On a des coffrets Legend Brilliant. Donc le coffret Pikachu. Deux coffrets Pikachu, du coup. Juste énorme, mes amis. Juste énorme. Deux petits coffrets Pikachu. Donc, avec une carte Pikachu holo. Et bien sûr, bah écoutez, trois petits boosters légende brillante à l'intérieur. Voilà, légende brillante, je l'ai ouvert sur ma chaîne deux fois. N'hésitez pas à les voir. On a les cartes shiny à l'intérieur. On a quoi là? Oh my god! C'est génial ça! C'est trop bien, je savais même pas que ça existait. Regardez ça, un coffret avec le Raichu d'Alola. Le tout nouveau Raichu à l'intérieur. Donc, on a trois boosters à l'intérieur. On a, trop 4 boosters à l'intérieur avec un petit peu de tout comme série. Et on a un magnifique Raichu, donc du coup il y en a deux. Oh ouais, génial. Ah franchement, on va se faire grave plaisir, surtout si ça tombe, super. Alors, on a quoi d'autre? On a également les Mewtwo, donc le coffret Mewtwo. Juste génial, avec le pins et la carte, avec 3 boosters encore, légende brillante à l'intérieur. Un peu comme le Pikachu, mais en version Mewtwo. Je trouve juste cette boîte magnifique. Juste magnifique. La carte est juste magnifique. Apparemment, ils sont sortis en français, mais ils sont en anglais. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Voilà. Tac. Magnifique. Franchement, magnifique. Alors, et on a encore des tonnes de trucs. Regardez ça. Regardez ça. Il y a encore plein de trucs dedans. Alors, on a quoi? On a également des Pokébox. Alors, on a quoi comme Pokébox? On a la Pokébox OOGX. Ah, est-ce qu'elles sont sorties en français? Je ne sais même pas, j'ai pas suivi mes amis. Comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de soucis, je n'ai pas vraiment de temps pour suivre. On a la Pokébox OOGX. Donc, du coup, il y en a deux normalement. Voilà, une pour moi, une pour Miss. Donc ça va être un trio, hein, à mon avis. Comme d'habitude, les Pokébox sont par trio, par duo. Magnifique, hein, franchement, la petite OO là me fait grave plaisir. On va voir les deux autres. Alors si j'ai bien vu, normalement, c'est Necrozma. Voilà, c'est Necrozma et Marshadow qui sont ici. Magnifique, elles sont super belles ces Pokébox, regardez ça. Magnifique, ça va faire plein d'ouvertures pour la chaîne YouTube. Voilà, les petites Necrozma, super. Et du coup la dernière Marshadow qui est vraiment aussi très très belle. Alors les Pokébox, c'est vrai que ça vous plaît plus trop sur ma chaîne depuis plus d'un an et demi maintenant. Alors qu'avant ça cartonnait, c'est vrai que maintenant ça vous plaît plus trop. Donc dites-moi si vous voulez vraiment l'ouverture de ces Pokébox, ce serait vraiment un grand plaisir mes amis. Dites-le moi vraiment si vous les voulez, si vous savez que vous n'allez pas regarder etc. Ça vaut pas le coup pour moi, j'ai d'autres contenus à vous proposer. Donc vous me dites, voilà, vous me dites, c'est à vous de me dire. Et là j'ai du temps pour regarder vos commentaires et vos envies. Et donc la Marshadow qui est juste magnifique. D'ailleurs dites-moi vous préférez, vous mettez un petit hashtag genre Pokébox. Et vous dites vous préférez Marshadow ou Necrozma. Franchement ça reste un magnifique trio.
trouve que c'est un très beau trio de Pokébox. Non, vraiment, là, c'est vraiment un très beau trio. Je vais vous les montrer les trois en même temps. Très, très beau trio de Pokébox. Tac. Voilà les trois, ça glisse. Voilà. Et alors là, mes amis, alors je crois que c'est le dernier item. Vous allez voir. Oh my god, ce coffret. Je pense que c'est le truc. Non, ta page n'a pas bugué. Oh my god. Je vais vous sortir le plus bel item de ce colis, mes amis. Est-ce que vous êtes prêts? Le contenu est abusé. C'est le truc que je vous rends le plus vite possible. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? C'est vrai que je fais du suspense, c'est pas forcément cool, mais ça fait partie du jeu. Attention, je vous le montre de derrière. C'est un coffret Shining Legend. Donc Shining Pokémon of Legendary Stature. Voilà, donc vous connaissez mon super anglais en tout cas. Ça fait plaisir. Premium Powers Collections. Donc là, mes amis, je vous montre, je vous décris ce que je vois. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Booster Pokémon Shining Legend. Donc Légende Brillante. Donc la toute dernière série. On a une carte ultra rare gigantesque. Une carte ultra rare normale. On a deux cartes secrètes rares offertes. Et une carte promo juste magnifique. Est-ce que vous êtes prêts à voir ce qu'il y a à l'intérieur? Vous êtes prêts? Oh my god! Oh my god! Il nous offre directement une carte fantôme. Regardez ça, une carte fantôme en jumbo. Une carte fantôme en jumbo et la même carte en normal ici directement pour la collection. Il y a également... Alors... Ça, c'est vraiment le truc le plus impressionnant de ce colis. Je suis content de l'avoir montré en dernier. Regardez ça, je vous explique. Donc déjà, on a deux boosters ici, deux boosters ici, deux boosters ici et deux boosters ici. Donc on a 8 boosters Shiny Legend. Donc ça, c'est génial. On a également donc, la fantôme offerte en gigantesque. Donc ça, c'est juste magnifique pour la collection. Ceux qui collectionnent les cartes jumbo comme moi, d'ailleurs. Et bien, écoutez, c'est la première fois qu'on a une fantôme, il me semble, en carte jumbo. Également, il l'offre en petite. Enfin, en normal ici. Voilà. Donc ça, c'est génial. Mais les fantômes, mes amis, c'est quoi? C'est une nouvelle rareté qui est apparue avec Soleil et Lune. C'est une nouvelle rareté de carte Pokémon où on a la carte Pokémon version GX, la version Full Art, donc la version plein écran, et la version fantôme. C'est la même que la Full Art, mais en version fantôme. La carte est toute blanche et brille un peu arc-en-ciel. C'est juste magnifique. Et donc, du coup, vous allez me dire, mais oui, mais David, mais attends, bon, d'accord, c'est extraordinaire, mais c'est pas si impressionnant que ça. Pourquoi autant de cinéma, entre parenthèses? Ben non. Avec, on a... Shining Lugia et Shining Celebi, ce sont deux Pokémon légendaires version brillant, mes amis. Deux légendaires en plus. Voilà, juste en version brillant. Elles sont juste magnifiques, les cartes. Je savais même pas qu'elles existaient. Regardez ça, il y a Lugia brillant à l'intérieur et Celebi brillant. Donc le brillant, le brillant, ça veut dire shiny. Et c'est toute nouvelle rareté de cartes Pokémon et elle brille que sur le Pokémon. Regardez ça. Je vous gigote juste pour que vous voyez un petit peu où ça brille sur les Pokémon. Voilà. Et en plus de ça, pour finir, on a une petite carte de Pikachu juste ici qui est juste magnifique. Donc ça, mes amis, je vais pas vous en dire plus là-dessus. Parce que, bah écoutez, on va se l'ouvrir en vidéo. Franchement, mes amis, 10 000 likes et j'ouvre ce gros coffre en vidéo, bien sûr. Il y en a deux, un pour moi, un pour Miss. Des fois avec Miss on fait des échanges, moi j'en ouvre deux de ça, elle en ouvre deux de ça, bref. On verra ce qu'on va faire, mais en tout cas, oh my fucking god, magnifique. Magnifique, oh peut-être que ma vidéo va être démonétisée si je dis ça, fuck, c'est pas grave. Bref, voilà mes amis, bah écoutez, sacré bâton de colis, donc petit récap parce que je vais tomber dans le colis. On a le coffret Shiny Legend, donc ça je pense que je vous l'ai assez bien teasé, je compte sur vous pour me dire ce que vous voulez. Je pense, moi franchement j'ai, dans mon ordre de préférence c'est ce colis, enfin ce colis. Ce coffret. Après, je pense que j'enchaînerai avec les 3 Pokébox, tu vois. En mode tranquillou. Après, j'enchaînerai peut-être avec les Mewtwo Box et Pikachu Box. Voilà. Je le montre. Mewtwo Box. Ici. Hop. Tac. Boum, boum. Après, les Pikachu Box. Donc, je les ferai en même temps. Genre, je ferai énorme coffret, les Pokébox, puissant en fin de vidéo. Après, dites-moi votre avis. Moi, je ferai par rapport à vos envies, de toute façon. Voilà. Donc, une Mewtwo, une Pikachu dans la même vidéo. Je pense que ça pourrait faire une petite vidéo aussi sympathique. Tac. Donc, les Pokébox. Donc, je vous rappelle, il y en a 3. Marchado. Oh, juste magnifique. Hein. C'est une de mes Pokébox préférées. Pas forcément par son contenu, mais par rapport à ce qu'elle contient.
Par rapport à son contenu, mais par rapport à ce qu'elle contient. Putain, mais David. Oh! Par rapport à, je veux dire, à son design. Ça, c'est une autre. Le mec, n'importe quoi! Et du coup, encore un marchado. Donc, du coup, les deux dernières. Voilà, et Nick Rosebar. J'ai bien envie de vous faire une vidéo. Je voulais trois en même temps. Ça pourrait faire une petite vidéo assez sympatoche. Et voilà quoi. Et du coup, il reste encore. Alors, ça, c'est vraiment la bête surprise. Ça, c'est un peu le coffret secret, genre, tu vois. Genre, ça, je vous ferai bien une vidéo coffret secret parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. Franchement, magnifique. Avec la petite carte géante Reichu là. Bueno. Non, c'est bueno. Franchement, rien à dire. Donc, tac, on va mettre ça ici. Et donc, du coup, ça, c'est le coffret qui me hype le moins. Voilà, je vais pas vous le cacher. Il est sympa, son contenu est sympa, mais. Chrisman? Non, en vrai, je sais pas. Voilà. Team Skull. Voilà. Voilà, le coffret de Team Skull, bon écoutez, ça me. C'est. Voilà, ça me hype pas. Peut-être qu'il y en a qui sont fans de la Team Skull et que ça leur tenterait. Team Skull, donc c'est les nouveaux méchants, entre parenthèses, dans Soleil et Lune, machin, machin, voilà, comme la Team Rocket, comme la Team Galaxy, comme la Team. Comme Team Official Video, bref. Voilà. Voilà. Bon. D'ailleurs, ouais, le design, de la, le design de, du coffret est plutôt sympa parce que derrière, en fait, on a des Pokémon en un petit peu mode genre peinture. Bon, après, voilà. Sinon, au niveau des boosters, on a quoi? On a des évolutions. Soleil et Lune 2, Soleil et Lune. Oh! On a des XY. On a des XY, on a des Soleil et Lune 2 ou 3. Pourquoi pas? Ah oui, il y a un petit pins aussi. Un petit pins de la team Skull. Voilà. Écoutez, c'est à vous de me dire, voilà, vous savez à peu près tout ce que j'ai. Et donc voilà, c'est tellement colis. Et pourquoi il pèse entre 5 et 10 kilos? Parce que tout simplement, bah déjà, tous les coffrets ensemble, ça pèse lourd. Et en fait, c'est les 6 Pokébox en même temps. Une Pokébox, ça pesait genre 800 grammes, 1 kilo, tu vois. Et bah, fois 6, et bah directement, ça pèse un petit peu, tu vois. Je sais pas combien ça pèse une Pokébox toute neuve. Ça se trouve, ça pèse que 300-400 grammes. J'ai pas la valeur des choses, je sais pas. Je sais pas. Bref! Du coup, mes amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu une vidéo. Bah, avant, tu sais, je reprends un petit peu les vidéos que je faisais avant sur ma chaîne YouTube. Là, je parle un petit peu, mais je faisais un peu les. Je reprends un petit peu ce que je faisais avant sur ma chaîne YouTube parce que là, comme je vous ai dit, j'ai pas moins de problèmes, mais j'ai un peu plus de temps. J'ai aussi également un nouveau PC qui me permet de mieux travailler. Au niveau des caméras, etc., ça s'est arrangé. Donc, du coup, c'est cool. Je peux vous tourner des vidéos. Donc, ça me fait super plaisir, vraiment. Donc, voilà. Bref. On a un colis bien rempli qui va faire pas mal de vidéos. Donc voilà, écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Sincèrement, je remercie Parkedge du fond du cœur pour m'avoir envoyé tout ce colis. Il y a des vidéos qui vont arriver bah, tout le mois, voilà, etc. Dites-moi ce que vous voulez voir comme vidéo également sur la chaîne, en plus de tout ça. Et voilà, mes amis. Là, tu n'hésites pas à laisser un petit pouce bleu, un maximum de pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Merci d'être encore là. Et bon, c'est plein de bisous, puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Peace!